strong at heart, but we're still dreaming. Wide open, leave this place behind. No matter what they say. Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, je suis trempé, mais c'est toujours mieux que la neige. Voilà, parce que ce week-end, c'est vrai qu'il y a de la neige. Je sais pas si chez vous, c'est enneigé, mais chez moi, c'est la galère. Et d'ailleurs, ça me pique les yeux parce que j'ai de la neige en face de moi. Bref, les amis, on est sous la pluie pour le 4e épisode de Madventure. On est très très bien, les copains. J'ai coupé pas mal de bois, il y a beaucoup d'arbres qui a poussé en off. Il y a un coffre là-bas qui est prêt, vous allez comprendre pourquoi. J'ai vu vos commentaires de l'épisode d'hier. Vous l'avez compris, là, on se régale et on enchaîne. Mais en même temps, eh bien je lis vos commentaires. Donc ça fait plaisir, là je suis à jour avec vous. Et vraiment que du bonheur de voir que vous êtes encore de plus en plus nombreux à découvrir cette série. Enfin redécouvrir finalement cette série. Mince, j'ai pas fait ça correctement. Ça me stresse ça. Ça me stresse. Donc ouais, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? En plus le troisième épisode a eu plus de vues que le deuxième. Bon, pourquoi pas. Mais ça fait kiffer. Ok, les feuilles tombent. Ce qu'on va faire aujourd'hui pour cet épisode. Alors déjà j'aimerais juste parler du cratère. Parce que vous avez suggéré des idées assez cocasses. Et en fait alors par contre je m'attendais à ce que le cratère soit plus profond. Dans mes souvenirs il était plus profond, je suis un petit peu con. Alors je vous explique, on va dormir et on va discuter et on va faire des choses. On va faire des choses et pas des moindres. On va faire l'enclos pour les animaux parce qu'on va en avoir besoin. Oh, il a arrêté de pleuvoir en plus. Incroyable, on va pouvoir dormir. Eh, le coucher de soleil là-bas. Eh, franchement, ça va être magnifique. On va faire ça, et puis après on va aller explorer, vous savez, les nouveaux biomes qu'on a un petit peu autour de chez nous. Sans trop aller trop loin, on va éviter de générer non plus trop de chunks. D'ailleurs, je suis passé sur la dernière snapshot, les amis, la 23W03A. Je sais pas si c'est écrit à quelque part, là, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça, vous le savez. Donc la dernière snapshot, avec le premier truc nouveau, c'est la barre de recherche qui a changé, incroyable. Et puis, j'ai vu vidéo de Aurélien Sama et de Hypierre, donc un petit peu les nouveautés, mais c'est pas non plus incroyable. En tout cas en survival. Donc voilà, on va aller explorer là-bas le bois de bouleau, je pense. Bref, mais là on va d'abord faire donc l'enclos. D'ailleurs oui, j'ai un petit peu rangé mes coffres. Pour ceux qui demandaient aussi l'escalier ici qui est un petit peu proche, c'est normal, vous inquiétez pas, je l'enlèverai, on fera ça autrement, ne vous inquiétez pas. C'est temporaire, hein. c'est temporaire. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Faudra mettre des panneaux et tout parce que bon, c'est vrai que là je vais avoir du mal à m'en sortir aussi. Bref, mais voilà un petit peu les rangements. J'ai les diamants qui sont là, voilà les 6 diamants, tac, voilà un petit peu comment c'est rangé. J'ai suffisamment de nourriture sur moi, on est plutôt pas mal. Ouais, alors à propos du cratère les amis, un petit peu pour en discuter. C'est bon, j'ai enlevé tout le bois, ouais c'est bon. Au niveau du cratère, moi j'avais une idée avant vos idées, j'avais une idée. Tout bêtement je me suis dit pourquoi pas. Et puis au pire ça mange pas de pain et au moins on l'aura fait une fois. Mais c'est, vous savez, mon histoire de faire un biome avec plein d'arbres. Bah imaginez, là. Alors on terraforme pour que ce soit tout plat, hein, on enlève tout ça là, c'est joli d'ailleurs. On enlève tout, tac, on fait un truc tout plat et on met plein d'arbres à la ronde. Vraiment, quand je dis plein d'arbres à la ronde, c'est l'un à côté de l'autre, des arbres partout. Et à la fin, ça va être une jungle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être sympa en vrai, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, alors après, il y en a beaucoup, vous avez été nombreux à proposer de faire une tour Eiffel. Alors moi, je suis incapable, hein. Je suis incapable de construire une tour Eiffel, les amis, il faut le savoir. Donc à la limite, je demanderai à quelqu'un de me le faire, pour le coup, ça risque d'être assez rigolo. Mais voilà, jusqu'ici... Jusqu'ici tout va bien comme on dit. Donc à voir ce qu'on fera dans le cratère. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée déjà pour commencer de faire ce fameux biome d'arbres justement avec tout plein de mais je suis pas obligé de faire ça. Mince, bon c'est pas grave. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Voilà. Est-ce que je fais ce fameux biome avec plein d'arbres dans le cratère? Sachant que après, si ça dérange, on mettra feu. Et puis voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est toujours sympa. Il faut faire un petit peu des... Il faut faire un petit peu des tests. Mais comment on craft les barrières, bordel? Ah oui, c'est des planches et des... Oui, d'accord. Ok. Alors, on va faire un enclos à plein de choses. Il y a des vaches aussi en bas. Il y a des vaches aussi en bas, sachez-le. Où c'est qu'on peut les voir? Là, vous en avez vu une là. Et j'ai fait un accès pour y descendre. Vous allez voir, vraiment, j'ai fait pas mal de choses en off. On dirait pas comme ça. Alors, on va faire du coup les enclos. On pourra terraformer davantage hein, par la suite. On va vraiment faire, l'idée c'est que ce soit des enclos assez grands pour tous les animaux. On récupère les œufs, c'est parfait. Hop. Voilà, on va faire des enclos de tout type. Là, écoutez, on va faire un grand enclos à vaches. Parce que les vaches vont être très importantes pour, bon, la nourriture, mais également pour le cuir. Donc là, vraiment, le plus gros enclos, ce sera pour les vaches. Par la suite, moutons également. Ah oui, en commentaire, vous m'aviez suggéré de faire des tunnels qui font en carré, enfin en croix.
à la hauteur du bas. Très bonne idée, on pourra faire ça, même s'il y a les arbres. On pourra le faire, ça posera pas problème, avec des portes en redstone et tout. Pareil, la redstone, on pourra faire des abattoirs d'animaux en redstone. En vrai, là, on commence l'aventure, j'ai pas envie d'être un méchant dès le début. On n'est pas là pour faire de la rentabilité, mais on pourra faire ça. Bon, voilà, vous m'en direz des nouvelles si vous êtes pour ou contre. Déjà là, ça va être assez un petit peu terrible de faire de l'élevage comme ça, mais... Bon, vous avez un petit peu l'idée. Là, ça va être pour les vaches. Donc, on va faire ici un petit, une petite porte. Et d'ailleurs, regardez, ça va être mignon. On va mettre juste en face ici les moutons. Oui, je voulais pas faire ça. Tac. Là, on va refaire une... Mais là, ça va pas aller, là. Là, les animaux, ils vont s'enfuir. Voilà. Tac. Comme ça, c'est pas mal. Ah, on fait ça ensemble. Et franchement, je me suis retenu de faire ça en off. Mais je me suis dit, bah ouais, bon, autant faire ça en vidéo quand même, c'est toujours sympa ce genre de moment. Si ça se trouve, ça ne vous plaît pas du tout, et dans ce cas-là, j'aurais attendu pour rien. Mais voilà, au moins on fait ça en vidéo, c'est toujours, toujours sympa, et c'est toujours un plaisir de faire ce genre de petites choses dans les aventures Minecraft. Les barrières, voilà, les barrières, les barrières, les barrières. J'ai très très hâte que la 1.20 sort. Bien sûr, alors à chaque fois que je change de version, les amis, et je vous recommande de le faire aussi si vous jouez en snapshot et tout, je vous recommande de faire des backups, donc des sauvegardes au cas où il y a des corruptions de monde. Et je parle pas de la corruption dans la politique, hein, parce que ça, il n'y a pas de doute. Non, rien à voir. Je me suis laissé emporter. Donc voilà, vraiment, faites des sauvegardes. Hein, vous mettez, vous allez dans votre point Minecraft, dans votre dossier save. Et voilà, vous sauvegardez votre map. Comme ça, si jamais il y a un problème, eh ben, il n'y aura que des solutions. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est ce qu'il faut faire à chaque fois. Vaut mieux prévenir que guérir. Ouais, on va mettre des lanternes et tout, là. On mettra des lanternes, ça va être tout mignon. Ouais, voilà. Donc là, ça va être les moutons. Pour les poules, parfait, c'est parfait. Pour les poules, on va faire un tout petit truc. Parce qu'en vrai, les poules, voilà, c'est pas ce qu'on va... Oh merde. Ah mais non, c'est pas grave. C'est pas ce qu'on va avoir besoin de plus. Et puis, de toute façon... mais j'ai fait n'importe quoi, là. Hein. J'ai fait n'importe quoi. Est-ce que j'ai encore assez pour faire... Oh, superbe. Superbe. Bon, au moins, là, j'ai mon stock de barrières. Hein. Hein j'ai mon stock de barrières. On va faire un petit truc, regardez, un petit carré. Un petit carré tout mignon. Superbe. Superbe. Voilà. Là, ça va être pour les poules. C'est peut-être très serré, remarque. Hein. Mais c'est déjà ça. Pourquoi pas. Ok. Ça, c'est good. On va aller chercher les différents animaux. Sachant que là, on a déjà une petite poupoule. Viens voir ma petite poupoule. Ma petite cocotte. Voilà. On va faire ça. On va ramener tous les animaux. Je vais vous montrer mon passage qui passe sous la montagne. Que j'ai donc construit en off. Enfin que j'ai creusé plutôt en off, hein. C'est pas non plus une construction, c'était pour avoir de la cobble. T'es con ou t'es con? Ouais, je pense un peu. Non, t'es vraiment con pour le coup. Eh? Eh, cocotte! On l'appelle comment elle? Elle, on va lui donner un nom parce qu'elle est débile. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. Non, là c'est une vanne. Non, c'est littéralement une vanne ce qui se passe. Du coup, j'ai bien compris. L'enclos n'est pas assez grand. Ah! Ça va être quelque peu embêtant. Bon bah je voulais pas connecter les deux machins mais malheureusement on va devoir le faire je pense. J'ai pas de pelle sur moi, va falloir que j'enlève ça parce que le problème c'est que les monstres après ils vont rentrer, ça va être chiant. Voilà, eh on va pas se prendre la tête. Eh ma cocotte. Oh putain elle est partie super loin en plus. Cocotte, c'est ici ta maison hein, ça c'est la mienne hein. En fait accessoirement. Donc voilà, on va ramener les animaux et puis après on va mettre des lanternes. Parce que je crois que j'ai suffisamment de fer. D'ailleurs il y a pas des lanternes en or. Ou ça c'est avec les mods? Ah je sais plus. Ouais, je crois que c'est avec les mods. Dis-moi que la maintenant t'es intelligente. Ah superbe. Viens cocotte. Merci cocotte. Merci. Je te tuerai pas. Parce que t'es tellement bête que... Donc là il y a des cochons. Ah oui les cochons aussi. Bon j'ai pas de carottes sur moi de toute façon. Hein. Alors est-ce que je peux faire des lanternes? C'est ça la question. Oui. Mais j'ai pas de torche par contre. J'ai pas de torche peut-être. Mais j'ai du charbon. Juste ici. Et j'ai suffisamment de bois. Bah j'ai tout claqué mon bois. Excellent, bah c'est pas grave. C'est pas grave, avec ce qu'on a déjà on peut déjà faire pas mal de choses. Hop, lanterne, on en a. On en fait 36 frérot. Eh c'est parfait ça, c'est absolument parfait. Ok, donc ça c'est cool. Je vais remettre le charbon en sécurité. Les coffres, vous avez vu, je vais bien les ranger hein. Vraiment, vous pouvez compter sur moi, regardez. Un petit exemple de rangement de coffres. Voilà, pour tous ceux qui disent que je range pas les coffres. Voilà, je commence comme il faut. Comme ça je suis sûr de pas faire de la merde. Non, avant que je descende, il faut que je récupère ce dont j'ai besoin. Bah oui, parce que si je descends et que j'ai pas de blé, je pourrais pas ramener les vaches. Les arbres ont poussé, incroyable. Hop, tac, et c'est tout ce que j'ai en fait. C'est tout ce que j'ai, mais les moutons sont aussi attirés par le blé. Alors regardez un petit peu ce qui s'est passé.
Donc là, évidemment, je reboucherai et on fera un escalier plus loin différemment, hein. Mais donc là, hop, on descend par ici. J'ai fait un chemin vers la gauche qui accède en fait à l'autre grotte que vous connaissez, qu'on avait découvert, hop, juste là, et qui mène finalement à un creeper qui va nous exploser la gueule. Ça, c'est pas cool. Mais bref, qui mène à la grotte ici. Ok. Donc là, d'accord. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, donc là, je vais remonter de manière sécurisée parce que j'ai un petit peu peur. Attendez, je la sens pas, moi, cette histoire. Hop, voilà. On va remonter par là. On va pas se poser 32 questions, s'il vous plaît. J'ai pas envie de mourir. On est mort 0 fois et je compte mourir 0 fois. D'ailleurs, c'est un objectif que je me lance de moi-même. Voilà, hop. Bon, évidemment, on va quand même prendre des risques, mais vous m'avez compris. Donc, bref, voilà. Et donc là, en descendant tout en bas, bon, là, on fera des escaliers, des trucs super chouettes. De toute façon, je risque de décaler. Déjà là, on a un accès ici, voilà, à la nature, juste là. Et puis en descendant en bas également. Voilà. On va pas faire tous les chemins possibles et imaginables quand même. Donc, les vaches en priorité, il y en a une là. Je vais récupérer aussi un petit seau d'eau, parce que j'en ai. Il y a des loups. 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 Purée! Oh non, j'aurais dû ramener des os. Incroyable, il y a des loups. Ok. Oh bah on va pouvoir adopter les premiers loups, messieurs, dames. Oh là là, je m'y attendais pas. Je m'attendais à rien, je suis pas déçu. Allez, on va ramener ce petit mouton. Les vaches aussi sur le chemin. Comment je vais faire pour monter? Ah, il faut. Oh putain, il faut monter par là-bas, c'est le moyen le plus simple. Ok, bon, écoutez, on va faire ça comme ça. J'ai un deuxième mouton. Je ramène les moutons. On va monter par là, c'est pas rude. Il y a de la lave ici, on le savait. Viens par là. Ah, oh, t'es débile, toi. Oh bah non mais ils sont trois, trop bien. Allez venez, venez les louloutes. Ma louloute. Voilà, par ici ça va être parfait. Je ramène tous les animaux et je vous retrouve juste après les amis, à tout de suite. Tu parles meilleur mes abonnés. Allez les amis, de retour, je vous assure. Oh bah vous voyez les arbres qui ont poussé en fait. Je vous assure que j'ai galéré. J'ai jamais autant galéré à ramener des animaux. Bon au moins ils sont là, ils sont tranquilles. Par contre le mouton il se trompe d'endroit. Voilà, je n'ai aucune peine. Voilà. Bah oui, il fallait pas se tromper d'enclos. Ok, ça c'est cool, ça c'est fait. On va reproduire les vaches aussi. J'ai vérifié, ceux ne sont pas, ils n'ont pas de lien de parenté, donc c'est parfait. J'ai reproduit les moutons aussi, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc c'est bon. Hop, les moutons. Alors, il s'agirait de me laisser poser ma lanterne. Donc là c'est bon. Ce qu'on va faire, on va poser une petite lanterne. Les arbres, en vrai, j'aimerais bien les laisser. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Ça rajoute un petit peu, finalement, de. Ah oui, cet arbre-là, par exemple, on va le laisser. Parce que là, regardez, on peut faire un petit peu de. Un petit peu de décoration luminaire, finalement. Et c'est plutôt sympa. On va faire ça comme ça. On va même pas mettre sur les coins le. Si, peut-être que là, on va mettre sur les coins les lanternes. Hop, petite lumière. On va aller adopter tout de suite les loups, hein. Clairement, les gars, vous inquiétez même pas que c'est ce qu'on va faire. Et qu'à tous les coups, c'est le titre de la vidéo. Hop. 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 Oh, merci pour tes œufs. Bon, du coup, je vais pas la faire reproduire avec ces œufs-là. Ce serait un petit peu sale. Hop. Et hop. Et hop. Mais non, mais qu'est-ce que je fais? Je suis débile. Je suis débile. Change pas, t'es le meilleur. Bon, là c'est parfait. Là, normalement, les monstres ils peuvent pas rentrer dans l'enclos. Si je dis pas de bêtises, c'est plutôt pas mal. Bon, bah ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. Non, les coffres ils sont là. On va aller récupérer mes os directement. Je parle bien des os. Bref, on va les récupérer. Oh, j'avais des cisailles sur moi pour les moutons. Bon, bah c'est parfait. On va aller directement récupérer les os. On va aller chercher les loups. Ça va être rapide puisqu'ils se téléportent. Ça, c'est ce qui est sympa. Et puis après, on va aller explorer de nouvelles contrées directement. Hop là, je me suis presque pas trompé, hein. Let's go, on y va directement. Ma hache. Aïe, 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 la hache. Elle va me lâcher. Et je n'ai plus de fer. Excellent. Bah, les amis, bah oui, j'ai même plus de bois tout court. Comment ça, j'ai plus de bois? Ah oui, j'ai vraiment plus de bois. Ah non, mais là c'est complètement débile ce qui se passe. C'est complètement débile. Bon, allez. Oh putain. Oh le seum. Bon, bah on recommence l'aventure, les amis. On casse à la main le bois. Hein, voilà. Non, bah on va devoir se refaire une arme bah, en cobble. Hein, pour le coup, de toute façon, on ira miner. Bah, vous savez ce qui est pas mal, hein, c'est que comme cette vidéo sort le même jour, dimanche, et ben ce soir, les amis, ce soir, aux alentours de 20h, on se retrouve en live sur Twitch. D'accord? Voilà, je vous le dis. On se retrouve ce soir en live sur Twitch et on ira miner en live. Ce qui fait que voilà, même si vous ratez le live, je veux dire, il n'y aura pas grande avancée sur l'aventure. Mais par contre, niveau minerai, on sera vraiment très très bien. Ok, on fait ça comme ça ce soir en live sur Twitch, 20h.
Lien en description, les gars. Si vous voyez cette vidéo dans la soirée, vraiment, n'hésitez pas. Je serai probablement en live. Tout simplement. Voilà. Donc, on s'y retrouve. On s'y retrouve. Allez, on va aller adopter des loups. On leur fera une petite niche et tout. Enfin, ça va être bien sympa. On va pas faire la niche tout de suite, mais. Voilà, quel boss. J'en avais oublié que j'avais un escalier exprès pour descendre. Non, mais bon, c'est pas grave. Allez, let's go. Les petits loups, ils sont là. Je sais pas combien il y en a. Hein. J'en vois qu'un seul pour le moment. Mais c'est déjà sympa. Hop là. Bonjour. Il y en a un. Déjà, c'est pas mal. Alors. Assis. Assis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh purée, il est fou lui. 10 le mec. Alors là dans l'idéal il me faudrait un deuxième loup. Comme ça au moins on pourrait faire de l'élevage hein. Ça s'appelle finalement de l'élevage. Superbe. Bon on a déjà de la chance d'en avoir trouvé un quand même hein. On a la chance d'en avoir trouvé un. Mais de toute façon là comme on va aller se balader, je vais garder mes os sur moi hein, dans le cas où on trouve des loups. Ouais parce que là il n'y a pas de deuxième loup. Alors ça c'est quand même pas de chance. Bon déjà on a un loup et il va nous accompagner durant notre exploration. On va aller là-bas du coup récupérer du bois de bouleau notamment. Et enfin récupérer du bois de bouleau. Ça je pourrais faire ça en live ce soir hein, bien sûr. Mais je veux dire on va aller explorer là-bas. Ah la vache que j'ai galéré à faire venir elle est là. Ok super. Bon bah c'est plutôt pas mal. Ce qui fait que là par la suite on va pouvoir vraiment s'attaquer à la table d'enchant etc. Parce que bah là on va pouvoir récupérer de l'obsidienne, on a de quoi faire une pioche en diam, c'est tout. Donc c'est vraiment pas mal. Bon les amis, je me refais juste rapidement un petit stuff, un petit inventaire pour pouvoir partir en exploration. Parce que pas qu'on se retrouve en manque de quelque chose. Et puis je vous retrouve juste après. Allez de retour les amis, j'ai tondu les moutons, j'ai fait reproduire les différents animaux. Comme ça on a aussi un lit sur nous. Je vais garder les cisailles tiens sur moi. Je vais garder ça, sait-on jamais. Et puis voilà, là au moins comme ça, on est parti directement avec notre petit loup qui va nous tenir compagnie. Il est où? Bah il est où? Frérot? Je l'entends. Ah bah il doit être sous terre à tous les coups. Ah il est là, voilà. Il devait être sous terre, je sais pas pourquoi mais je pense. Parfait, on récupère plein de pousses, on va pouvoir les replanter directement. Et on est parti pour explorer du coup direction. Eh, je vais prendre les coordonnées. Bam. Alors on va pas non plus partir très loin parce que l'épisode va pas durer plus longtemps. Mais je veux dire on va quand même noter les coordonnées, c'est quand même une bonne chose. Donc là on part direction nord-est. Très bien, nord-est. Absolument là où j'habite, hein, la région bien sûr. Et c'est parti directement. Donc on a ouais on a quand même du bois de sapin à récupérer, on a du bois de bouleau. Je vais quand même pas revenir les mains vides. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après si on peut trouver des structures c'est cool. On a une ruche qui est juste à côté. Donc on va pouvoir l'exploiter avec une cheminée je crois. Je sais plus comment ça marche. Là j'aurais pu me faire un bateau. Et on va faire un bateau hein. On va pas se... Mais attendez mais il y a trop d'exploitation à faire en fait. Là on peut se faire un port et tout avec un phare et tout. Franchement les gars on est d'accord que là on est quand même installé dans un endroit où on peut faire énormément de choses. Mince le loup il pouvait peut-être rentrer dans le bateau, je sais pas. Bon heureusement il peut se téléporter. Il y a vraiment moyen de faire des superbes choses par ici quand même hein. Oh oui il faudra qu'on aille voir les épaves et tout hein. Bien sûr. Hop là ça va tu as pas trop froid. Ok du bois de bouleau. Du bois de sapin. Bon je couperai tout ça en off hein. Je couperai tout ça en off. Ok bon bah là voilà. C'est justement la frontière entre les deux biomes. Me semble que dans ces biomes là il n'y a pas de structure hein. Je veux dire, il n'y a rien d'intéressant à récupérer. Donc là, il va s'agir de se promener, de prendre un petit peu de hauteur peut-être. Et de regarder les prochaines épopées possibles, finalement. Ok, par ici. Alors, ce premier loup, évidemment, on va pas, je vais pas lui donner de nom d'abonné. Pour la simple et bonne raison que bah, c'est le tout premier. Après, ça fait genre, voilà, c'est le tout premier qui va se reproduire avec la deuxième. Après, ça va créer des dramas. Donc là, d'abord, on va faire un petit élevage de loups. Et après, on va renommer, on va mettre le nom des abonnés, d'accord? Et par contre, on peut lui donner un nom spécifique. Pour le moment, j'ai rien qui me vient en tête. J'ai pas de nom qui me tient à cœur. C'est vrai, il faudra que j'y réfléchisse. Sauf si vous avez une idée, bien sûr, qui me fasse tilt. Et c'est pas si fou que ça par ici. Alors, on va essayer de faire une boucle et de revenir vers la base pour voir, voilà. Oh, mais attendez. J'ai l'impression de voir une sorte de petite plaine. Salut les petits cochons. Hop c'est cadeau. Voilà c'est Bibi qui a égal, vous m'avez saoulé. Qu'est-ce qu'on a là? Oh une faille, pas du tout. Ok.
Ok, donc là-bas, c'est chez nous, d'accord? On reconnaît. D'ailleurs, j'ai une render distance qui est absolument phénoménale. Bah, il n'y a pas grand-chose. C'est joli, hein. Très joli. Mais il n'y a pas grand-chose. Du bois de bouleau, du bois de chêne là-bas. Et là-bas, il y a un désert, hein, si je dis pas de bêtises, hein. Tout au fond. Donc, il faudra qu'on y aille. Au désert, je pense que ça peut être pas mal. Mais en fait, vous savez quoi? Prochain épisode, on va peut-être aller dans le désert là-bas. Enfin, ce que je pense être un désert. là, par contre, si on pouvait trouver un petit loup, ce serait quand même sympa, quoi. Même si, bah, j'ai l'impression que. Eh, on est presque à la hauteur des nuages. Hein. On est presque à la hauteur des nuages. Alors, on va continuer par là-bas. Des baies. Alors ça, je prends direct. Alors, je vais me permettre de les casser. Oh, il y a des renards! Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Ah bah, je les récupère même en cassant. Je les casse parce que comme ça me piquera pas. Parce que ça pique hein, quand on marche dedans. Hein. Ça c'est pas mal. Bon, de toute façon niveau nourriture on est très bien, mais ça permet aussi de faire des petites défenses aussi. Oh là là, on a une nouvelle plaine là-bas, donc faut... probablement un village. Un village. Peut-être des loups aussi. Des structures. Je ne sais pas. On voit pas assez loin encore, c'est dommage. On a des vaches en bas, très bien. Bon, non, c'est pas si fou que ça. Bon, mais là, je suis vraiment à la frontière entre les deux types d'arbres, donc c'est parfait. Les amis, je vais m'en arrêter là pour cet épisode. Je vais couper du bois, du coup. Là, j'ai coupé du bois de sapin, du bois de bouleau. Et puis, je vous retrouve donc ce soir en live, minage. Et puis, par la suite, prochain épisode, on ira explorer probablement le désert. Peut-être des petits trésors aussi. Pourquoi pas des petits trésors dans les bateaux. En tout cas, voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite avec notre nouveau copain pour la vie, notre nouvel ami pour la vie, voilà. On se retrouve pour le prochain épisode. C'était Mkolo et le petit chiot. Ciao tout le monde!